Yo les gens, c'est Mortellus, on se retrouve sur Dofus pour la suite des récoltes des fameux œufs, fameux œufs, pour comment perdre ses plumes. Donc on a eu l'œuf de monarque, l'œuf surprenant, il nous manque le végétal. Pour l'obtenir, il faut tout simplement faire le donjon, enfin tout simplement faire le donjon Rasboul. Et pour cela, vous voyez que je suis gentiment accompagné de Serena Chelsea, que je remercie d'avance d'être là. Go! Et YouTube te dit, il te dit bonjour. Ok. Nous avons un petit cra ici, ou une crate. C'est une crate? Un cra? Une. Ça c'est une. C'est une crate niveau 158. Vas-y. Elle s'est mise en feu. Et donc elle fait quand même pas mal de dommages, je trouve. Enfin, le donjon n'est pas non plus très haut niveau. Hein. C'est un donjon niveau. Voilà, vous voyez. Donc, bon. Je vais dire une connerie. Je sais vraiment pas le level du donjon. Désolé. Oh zut, tu lui restes un PA. C'est pas grave. Je t'apprécie quand même, petit bonhomme. Ouais, essaie de pas trop traîner, hein, ça sera vite fait. Voilà. Oh, 35 de vita, purée de pommes de terre. Ah, j'ai hâte d'avoir le troisième œuf. Comme ça, on aura terminé cette quête et on pourra ensuite. Enfin, ça va ensuite nous débloquer quelque chose. Ah, vous verrez. Surprise, motherfucker. Bon, bah, les cailloux, ça va être réglé. Ah, il s'occupe des. Bonne idée, très bonne idée ça. Très très bien joué ça, fieu. Parce que du coup, voilà. Premier tour, check. Hop. Bon bah, particularité, pardon, à part lui là, le Kilibris qui se téléporte, il y a le Mufafa qui est un peu ennuyeux. Mais ça va encore. Honnêtement, voilà. Il y a pire, hein, bon. Voilà, je vais me faire une petite brochette, il me colle pas trop. Au pire, je le pousse, c'est pas grave. Ouais, non, enfin, le souci, le petit truc, c'est qu'il se TP. Il saute un peu partout, voilà. C'est un peu contraignant, mais. Ça va encore, quoi. Hop. Ça va aller super vite. En tout cas, tu gères. Mais se débrouille bien. Ça, c'est vrai que. Il est là. En dégâts, en tout ce qu'il faut, il est présent. 22 PPP. Oui, mais ça, c'est pas de ta faute. C'est. Voilà. Alors, ici, on rajoute un Kido. Kido, c'est loin. On rajoute un Kido. Je sais plus sur ce qu'il fait le Kido par contre. Découvrons-le ensemble. Il va les pousser. Ah, c'était quoi? Ah si, ouais, il se. Ah ouais, bien. Oui. Très bon, très très bien. J'applaudis. Franchement, je pensais avoir un peu plus dur, j'avoue. C'est un donjon niveau 100, je dirais 90, 100. Mais franchement, facile. Pour l'instant, je préfère toujours dire pour l'instant. Parce que je sais jamais ce que ça va donner comme merde, ces donjons-là. Hop. Vous avez vu, j'ai un peu épuré mon style. Alors, Pitouf de Plank de Mufafa, ok, on connaît.
faire une brochette. Vas-y, Sirène, Sirène à Chelsea. Sirène à Chelsea, Sirène à Chelsea. Il devrait mettre, yop, yopette, tu vois, cra, cra, un, cra, c'est cra, une cra, ouais. Voilà, la particularité de lui, c'est ça. Hop, et je vais pouvoir tuer lui. Et voilà. Ça sera déjà tranquille. Deux en moins. En un tour. Un bien affaibli. Franchement, je trouve que ça va. Attends un peu avant que j'explique en vidéo. Ouais. Eh ben oui, c'est ça être youtubeur. Vous voyez l'envers du décor, moi. Moi, je vous cache rien. C'est du 100%. C'est un petit. Tu vois ça? Ben, merci à toi. Déjà. Oh, je suis pas boosté, mais ça sent. On serait à faire. Tiens, frère, comme je me rajoute souffle. Quand même. Parce que c'est vrai que je l'ai pas rajouté souffle. Parce que ça reste intéressant. Ah, ok. Ouais, pas grave. Oh, une kawotte. Trop gentil. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, carrément. Bah tu peux le tuer hein. Merci. Bah écoutez, on dirait. Tu peux le tuer hein. Bah on a une tornade de ouf. Du coup, oui, donc pour le boss, avant de lancer, je voulais vous expliquer comment on va le désinvulnérer. En gros, je vais me rendre de la Vita. En gros, attendez, je vais reprendre toute ma Vita, si possible. Elle est où? Je sais pas que ça, c'est 46 pains. J'avais autre chose avant. Oh merde, j'ai plus de bouffe. Ah, ça devrait aller. Du coup, donc pour le désinvulnérer, en fait, il va avoir donc de la vie et donc on doit tuer d'abord. Donc d'abord, on tue les mobs. En premier, on kill les autres mobs. Et après, on fait la technique. Donc la technique, c'est laquelle? En fait, vous allez voir que le Rasboul, c'est lui. Sylph. Bouge pas aussi. Sylph le Rasboul. Vous voyez? Majeur. Et donc en fait, nous on va tuer les autres. Essayer de les tuer vite en tout cas. On va pas faire le chat tout de suite. Hein. On va pas oser faire ça. Ouais. Donc, en gros, ce qu'on va essayer de faire ici. C'est de tuer tous les mobs. Et après, je vous expliquerai. Je reste mystérieux. Oui, je suis mystérieux. Non? Donc en fait, la technique, ça va être. Vous voyez qu'ici, ben, il est à 200 dans tous les éléments. Donc, on peut lui faire des dégâts. Mais, la technique. Eux, il faut les tuer. Attends, les petits rasboules, il faut les kill aussi quand on sait. Quand on sait. Oh là, j'arrive pas à écrire aussi quand on sait. Donc, il a 8 PA. Et en fait, la technique, ça va être de lui enlever des PA. Donc, lui faire des sorts retrait PA. Et donc, à chaque fois qu'on lui perd un PA, il gagne un PA.
Ok, donc on va lui retirer des PA, etc. Et du coup, à un moment donné, il va se retrouver à 14 PA en tout. Vous voyez? Et là, en fait, il va lancer un sort où il va se désinvulnérer, comme ils disent. Et là, on va pouvoir le taper dans un élément. Donc on va essayer de le focus en terre, parce que moi je suis foutu terre. En gros. Ok, casse les couilles là. Et en fait, donc le full terre. Pourquoi? Parce que quand on le tape terre, en fait, ça va lui faire diminuer. Vous voyez, à chaque fois on va le taper terre, ça va lui faire perdre, je sais plus combien du coup, 50% peut-être de résistance dans un élément. Donc on va le taper terre, il va perdre 50 en terre, je pense. On va voir. Je ne vais pas dire des conneries. Oh oui, nice ça. Voilà. Voilà. Si tu sais du coup. Alors, donc là, on va essayer de lui retirer des PA. Vous voyez, donc là, mon collègue va lui lancer des sorts pour lui retirer des PA. Et donc, un PA retiré est un PA qui va gagner, logiquement. Regardez. Hop, il en a gagné deux. Hop, il en a gagné un. Hop, il en a gagné... Voilà, tout. Nice. Prochain tour, c'est bon. Voyez. Donc là, une fois qu'il sera à 14, il va se désactiver. Enfin, vous avez compris, hein, activé. Hop. Voilà. Donc ici, mon collègue va lui retirer des PA. Voilà, vous voyez-vous? Et puis on va le taper terre. Voilà. Encore une fois, tu sais. Encore deux. Allez, plus que deux. Nice. Nice. On attend qu'il fasse son sort. Voilà, regardez ici, regardez. Il a lancé, oh là là, oui, il a gagné plus de puissance, mais maintenant, terre, terre. Donc là, maintenant, on va le taper terre. Regardez, mon collègue va le taper terre. Voilà, vous voyez, il a frappé déjà une fois, je pense, terre. Peut-être ou deux. Regardez, là, moi, je le tape terre. Il a 100, il a 50, comme je vous avais dit. Vous voyez? Voilà. Et là, maintenant, ça devient intéressant. En tout cas pour nous. Et là, il faut le fracasser terre. Pourquoi? Parce que le sort qu'il a lancé ici ne dure que... Oula, ne dure que deux tours. Là, oh là là, vous voyez? Donc là, on le focus terre. Il faut flyer dedans comme un cochon. Et c'est tout. Vous voyez? Et là, il va rediminuer de plus en plus en terre, en fait. Voilà, il a moins 200 terre, ce qui est magnifique. Puis là, moi, je vais venir au cac. Je vais lui faire une coco terre dans sa gueule. Voilà. Alors, pas mal, hein? Et donc, nous, ce qui est intéressant, c'est l'œuf végétal, surtout. Okay? Donc là, on a chopé le fameux œuf végétal. Nice. Merci à toi, mon ami. Voilà, donc là on a récupéré l'œuf végétal. Donc on a les trois œufs. Ok. Donc allez, le végétal, le monarque et le surprenant. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est retourner voir, normal dans votre chaîne. Quel. Merci. C'est Mortilus. Un grand merci à toi. Là, oui, donc on doit aller en 16-1.
Attendez, donc je me concentre. Voilà, village des éleveurs. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a enfin les trois œufs. On va pouvoir aller les rendre à Marianne. Marie, à chaque fois, je me... Myriana. 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 On va pouvoir aller lui rendre, logiquement, parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a là notre tote. Si je dis pas de conneries, on va voir. Est-ce que je dis des conneries ou pas? La notre tote, on l'a. La poudre, on l'a. Les trois œufs, on les a. Manquait quoi? La perle de lait, on l'a. Je l'ai vu. Voilà. C'est pas good, ça? Hein? Oh oui, on est bon, les gars. Je m'aime. Je me fais un bisou. Allez. Bisous à moi. Bisous à moi. Donc là, vous savez bien, c'est le moment où je marche. Mais il n'y a pas de chemin. Attendez. Mais il n'y a pas de chemin qui ne mène nulle part. Oh, en live, les gars, en direct. Je t'ajoute ami. Non, si je m'ajoute ami moi-même. Hein. Voilà, oui. Yeah. Bon, les cocos. Normal, Dofus, c'est pur, c'est des... On est d'accord. Ah, voilà, quelqu'un qui a un très bon esprit, un très bon esprit, enfin. On est là pour s'entraider. Pas pour se faire payer pour passer un donjon, etc. Bon. Donc là, on arrive à Mariana. On va lui donner tout le matos, hein, toute la merde. Et donc ça c'est pour les plumes. Ah, c'est pas ça, j'ai plus maintenant. Non, parce que j'ai pas. C'est pas ça. Bref, donc là on lui donne. Et on montrait les yeux que vous aurez. Il dit, ah, ça réchauffe le cœur de voir que tu t'intéresses à ce pauvre tofu. Lui dire que le compte est bon. 1, 2, 3, en effet tu as raison, tu peux me donner la poêle. Oh. Donne-moi aussi les trois œufs. Merci, elle casse les œufs et les fait cuire. Ça devrait suffire. Je n'aime pas les omelettes trop cuites. T'as englouti rapidement. Pas mauvais, mais ça manquait un peu de sel. Ça approche le tofu. Tape sur la tête avec le poêlon. C'est petit. Regardez. Plus de plumes, plus de poils. Et bam! C'est lui qui sort. Je ne me suis pas fâché d'avoir perdu mes ailes ridicules et récupéré ma barbe. Merci pour votre aide, Mortius. Alors lui, qui sait? C'est pour ça qu'on a fait la quête là. En fait, lui, c'est le PNJ. Je suis un chasseur de trésors qui a eu la malchance de croiser le Minotaur. Résultat, j'ai erré pendant des années sous la forme d'un tofu. Ça m'apprendra à essayer de marchander avec un magicien d'or. J'ai passé beaucoup de temps à chercher un trésor légendaire de Toutankhamon. Toutankhamon, oui, c'est ça. Et j'ai accumulé des morceaux de tablettes. Si vous avez, ça vous intéresse, je peux vous acheter contre quelques roses. Voilà. Et merci. Et donc là, il nous dit qu'il va aller à la fameuse truc au trésor. Vous voyez, la malle au trésor. Regardez, je vais vous montrer où est-ce qu'il se trouve maintenant. Ça, c'est vraiment chouette, en fait. On en a besoin pour la quête suivante. Parce que pour la quête, il faut la tablette Toutankhamon, pour ceux qui ont suivi. Pour cela, soit on fait des chasses avec la chance d'en choper, soit on va aller voir maintenant, il y a un PNJ qui est là. Lui, il est apparu. Il est apparu. Merde, il est où encore ce con? Il est là, du coup. Confond une des deux entrées, donc voilà, regarde, il est là. Et donc là, on pourrait lui acheter chaque part, vous voyez, bon, c'est mon truc de quête, mais chaque part de Tokamal, les 5, pour 20 000 roses des sables. Ce qui peut être beaucoup, mais si vous faites des chasses assez souvent, vous pouvez avoir de la chance d'avoir beaucoup de roses d'un. Voilà, en tout cas, encore un grand merci à toi, Serena Chelsea, et ben voilà. Je nous dis, j'ai envie de dire ça. À bientôt pour de nouvelles aventures, car maintenant il nous manque de faire le maître Corbac, on l'a déjà fait. Il nous manque la fameuse tablette, qu'on va pouvoir peut-être faire si on a assez de roses, ou si on fait des chasses, ou si on les achète, etc. Et ensuite on va pouvoir avancer dans la fameuse quête. Sur ce, bisous à vous, salut, ah!